Wesh l'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'équipe, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Football Manager 2023 avec le Paris Saint-Germain où on va jouer Auxerre puis Strasbourg. On va commencer par Auxerre bien évidemment parce que c'est pas nous qui choisissons l'ordre des matchs. Hein. Mais ouais. Auxerre, puis après Strasbourg. Ça va être l'ordre des matchs d'aujourd'hui. Nuno Mendes va faire son retour et on va jouer avec Keylor Navas, Skriniar, Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Hakimi, Soler, Renato Sanchez, Sarabia, Neymar et Kylian Mbappé. Après l'élimination en coupe. En Ligue des Champions. Après l'élimination en Ligue des Champions, quelques jours auparavant, on fait notre retour dans la Ligue 1 face à un match, enfin, pour un match face à Auxerre. Allez, Hakimi avec Mbappé. Mbappé qui part la balle. Il a fallu un bel arrêt de Navas. Allez, 20e minute de jeu, toujours 0 à 0 à Auxerre. Oh là là, encore un arrêt de Keylor Navas. Encore un arrêt pour Keylor. Keylor qui ne chôme pas sur ce... sur cette rencontre, en tout cas sur cette première mi-temps où je suis mécontent, c'est ce que je leur fais savoir parce qu'on ne gagne pas tout simplement. Donc je ne peux pas leur dire que je suis content parce que ce serait mentir de leur dire que je serais content, enfin que je suis content. Donc je leur dis que je suis mécontent. Voilà. Parce que c'est la vérité. Je suis pas content de leur rendement offensif sur cette première période. Sanchez qui bute sur le portier auxerrois avec Carlos Soler qui rate sa frappe. Carlos Soler qui va passer attaquant droit. Après Sarabia qui va se faire remplacer par Vitinha. Et Ekitike qui va remplacer le français Kylian Mbappé. Allez, après ces changements, un PSG, on espère, plus convaincant qu'en première période. On l'espère en tout cas. Et le corner pour le PSG, c'est la 70e. 70e, le temps presse, petit à petit. Mais le temps presse. Donc, voilà, va falloir vraiment, vraiment donner un autre visage du PSG. Et ça va être sur ce penalty que le PSG peut montrer autre chose. Si Neymar parvient à ouvrir le score. Et c'est fait! C'est fait, Neymar, 12e but de la saison. C'est fait. Neymar ouvre le score sur ce but. C'est fait. Le PSG qui mène donc 1-0.
PSG qui mène donc un but à zéro après le but de Neymar qu'on a vu sur penalty. Le but de Da Silva Santos Junior. Neymar. Allez, on se dirige vers une victoire 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Il y a Renato Sanchez qui pourrait avoir des ennuis. Il y a Renato Sanchez qui pourrait avoir des ennuis. Carton jaune. Carton jaune pour Renato Sanchez. Ça aurait pu être pire, franchement. Mais c'est qu'un carton jaune. Donc, ça va. Ça va. Et c'est la fin du match à Auxerre, au Stade Abbé Deschamps. Sur ce score de 1 but à 0 pour le Paris Saint-Germain. Sur Auxerre. Et donc le PSG qui va être à une semaine du match face à Strasbourg. Et donc à deux matchs de la fin de la saison. Donc la fin de saison se fera samedi. Samedi, les gars, on fait le match face à Clermont. Et après tout le mercato. Tout le mercato. Et le match face à Clermont. Jeudi, donc jeudi il n'y aura qu'un match, mais après il y aura tout le mercato, donc ne vous inquiétez pas, ça va pas passer si vite que ça. Et du coup aujourd'hui, bah deux matchs, aujourd'hui c'est classique. Aujourd'hui c'est classique. Aujourd'hui c'est du classique. Voilà. Aujourd'hui il n'y a pas trop de changements. On espère le retour de Messi cet été. C'est ce qui devrait être le cas. Mais bon. Lionel Messi, les gars, qui revient dans 10 jours. Lionel Messi qui revient dans 10 jours. Il n'aime pas le travail. Attends ce qu'attendent ses coéquipiers. Eh ben. Il n'aime pas bosser, quoi, Léo. Il n'aime pas bosser, Léo. Bon, voilà, les gars, face à Auxerre, on va jouer avec. Avec Keylor Navas, Kimpembe, Marquinhos, Skriniar, Hakimi, Bernat, Verratti, Vitinha, Soler, Ekitike et Neymar. Mbappé est laissé sur le banc pour ce match face à Strasbourg. Le Français Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, est laissé sur le banc. Et le PSG joue avec sa tenue extérieure aujourd'hui. Le maillot gris. Et on espère que son maillot gris va nous porter chance aujourd'hui. Face à Auxerre. Face à Strasbourg, pardon. Auxerre, c'était avant, les gars. Auxerre, c'était avant. Excusez-moi. Auxerre, c'était avant. Allez, Kitike. Oh, dommage. Dommage à Kitike. Qui était proche d'inscrire le premier but du match, mais le Français ne l'a pas fait. Allez, Neymar, oh là là là, Neymar, oh là 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 là, Neymar. Allez, la mi-temps va intervenir et après la mi-temps, on rejouera avec les 11 mêmes joueurs. Qui ont fait toute la première période. Et voilà, j'espère quand même un autre état d'esprit parce que là, les deux matchs, les deux premières mi-temps de chaque match n'ont pas été incroyables. N'ont pas été incroyables, quel que soit le match. Donc. Ah! Voilà quoi, c'est pas trop ce qu'il faut. C'est pas trop ce que j'attendais. Allez, Neymar! Oh, la faute de Niamsi sur Neymar! La faute de Niamsi sur Neymar! C'est fou! C'est fou les fautes qu'ils font! Et puis c'est réaliste, hein? Ils font des fautes sur Neymar! Réaliste!
Le 50e des changements vont intervenir par Natinox 2.0. Ekitike va sortir. Mbappé va rentrer. Ou non, regardez. Ekitike. Non, pardon. Ekitike va rester. Mbappé va rentrer à la place de Neymar. Et Soler va sortir à la place de Pablo Sarabia. Voilà. Et ensuite, Vitinha qui va sortir au profit de Fabian Ruiz. Voilà les trois changements qui interviennent dès la 50e. Dès la 50e minute. Dès la 50e minute. L'entraîneur parisien fait entrer trois de ses joueurs. On peut en sortir 3. Oh là là. Kylian Mbappé qui va frapper ce corner, ce deuxième corner de suite. Et Marquinhos! Marquinhos! Marquinhos de la tête. Le but du numéro 5 est capitaine. Marcos Aouas Correa. Marquinhos. Marcos Aouas Correa. Marquinhos. Allez, Verratti. Verratti avec Hakimi. Achraf Hakimi, Ekitike. Et un petit tac sur Ekitike. Mais pas de faute pour monsieur l'arbitre. Pour l'arbitre, ce ballon a été récupéré à la Royale. Ludovic Cageoire qui s'est coéquipé, qui n'y arrive pas, mais c'est tant mieux pour le PSG. Il y a le PSG qui n'aura fait 0 match au Parc des Princes dans cette vidéo, mais ça ne les a pas empêchés de faire 0 match au Parc des Princes, mais de victoire sur le même score pour le moment, le même score qui est le score de 1-0 sur chaque match. Deux petites victoires sur la plus petite démarche, certes, mais c'est deux victoires. Donc c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Voilà, la fin du match. Et la victoire pour le Paris Saint-Germain. La victoire qui fait plaisir. La petite victoire qui fait plaisir. Inter en concurrence pour recruter Danilo Pereira. Pour Danilo, je leur mets 20 millions. Il y en a qui ne veulent pas. Allez, il va à l'Eintracht Francfort. Il va partir à l'Eintracht Francfort. Le gros monsieur. Le gros et grand monsieur, mais bon. Il est gros pour un petit, mais pour sa taille, il est pas gros. Il est pas gros, Ander Herrera. Ander Herrera est parti. Je dis Ander Herrera parce que je parlais d'Ander Herrera juste avant de commencer à tourner la vidéo. Mais Ander Herrera est parti dans la vraie vie. Il est parti lui aussi. Mais là, c'est pas Ander Herrera, c'est Danilo Pereira qui va quitter le Paris Saint-Germain pour aller à l'Eintracht Francfort. Et là, le match face à Clermont ne va pas se faire aujourd'hui. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas, petit like, petit abonnement, je compte sur vous. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Ciao l'équipe, ciao les beaux gosses. Ciao. Yes. Salut.